dans pratiquement un mois, ce sera, on en parle souvent, l'éclipse totale. C'est le moment de se préparer pour observer ce phénomène sans danger. Pierre Chastenet, astronome et communicateur scientifique, est avec nous. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, comment on devrait se préparer? Bien, en fait, le soleil n'est pas plus dangereux lors d'une éclipse totale de soleil qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Le problème, si on peut parler d'un problème ou peut-être l'enjeu, c'est que lorsque la Lune commence à cacher le disque du soleil, au fur et à mesure que la Lune s'avance sur le soleil, le soleil devient généralement moins aveuglant. Et donc, les réflexes que nous avons normalement de détourner le regard, de fermer les yeux parce que nous sommes éblouis, bien, ce réflexe-là, il devient moins présent parce que il y a toujours une plus grande partie du soleil qui est cachée. Et donc, ce qu'il faut faire pour observer de manière sécuritaire, c'est se munir de lunettes d'éclipse qui sont en vente encore dans certains magasins spécialisés. On en trouve de moins en moins facilement, je vous avoue, parce que, évidemment, on parle beaucoup de l'éclipse et les gens se sont procurés leurs lunettes. Mm-hmm. Méfiez-vous des imitations, méfiez-vous des achats en ligne. Il y a certains rigolos qui se sont mis à vendre des lunettes qui ne sont pas sécuritaire pour observer le soleil. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir des lunettes qui sont homologuées. Si on n'a pas de lunettes, on peut quand même observer le phénomène par projection. On peut se fabriquer une boîte à chaussures avec un petit trou, un trou d'épingle pour laisser rentrer la lumière du soleil, et puis il va se former une image du soleil éclipsé dans le fond de la boîte. On peut aussi simplement prendre une passoire et projeter de multiples images du soleil sur un drap blanc posé au sol. Pour les enfants en particulier, pour lesquels on a peut-être plus d'inquiétude, ça peut être une très, très bonne façon d'observer l'éclipse. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au moment de la totalité, c'est-à-dire au moment où tout le disque du soleil est caché par la Lune, on peut observer le soleil éclipsé sans aucune protection. On peut l'observer à l'œil nu. Ah, le soleil n'est plus dangereux parce qu'il devient invisible pendant quelques secondes à quelques minutes, selon l'endroit où vous vous trouvez dans la bande de totalité. Et puis, à la fin de la période de totalité, dès qu'une petite partie du soleil redevient visible, il faut remettre les lunettes ou recommencer à observer par projection. Et puis, si on suit ces conseils très simples, il n'y a absolument aucun danger pour observer une éclipse totale de soleil. Puis, c'est même une occasion extraordinaire de vivre un phénomène que l'on ne revivra pas au Québec avant presque un siècle. Et où peut-on? Parce que dans les villes canadiennes les plus prisées, paraît-il, pour voir l'éclipse, il y aurait Montréal, un des meilleurs endroits là, pour admirer le phénomène. Mais c'est quoi? C'est ça? Il y a des endroits comme ça ici et là où on devrait se rendre pour le voir? En fait, si on regarde une carte de la trajectoire que l'ombre de la Lune va parcourir sur la surface de la Terre, cette ombre-là, elle va toucher Terre au Mexique. Elle va traverser les États-Unis du sud-ouest vers le nord-est en traversant l'État de New York, le Vermont, et elle passe ensuite au-dessus du sud du Québec. Donc, un des meilleurs endroits pour observer au Québec, c'est la ville de Sherbrooke dans les environs. Parce que cette ville-là, Coaticook, le Mont Mégantic, sont situés sur la ligne de totalité, c'est-à-dire qu'ils sont en plein centre de l'ombre que la Lune projette sur la Terre. Et ça donne une éclipse qui dure un peu plus de 3 minutes. Si vous êtes sur l'île de Montréal, au sud de l'île de Montréal, vous êtes en périphérie de la bande de totalité, donc la zone qui va être traversée par l'ombre de la Lune, pardon. Et là, ça donne une éclipse qui dure un peu moins d'une minute. Donc, si vous êtes à Montréal et que les conditions météo sont bonnes, ça vaut certainement la peine de jeter un coup d'œil. Mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience dans sa totalité, ben, ça vaut la peine de se déplacer vers le sud des cantons de l'Est, Sherbrooke et les environs. Mais évidemment, ça dépend bien sûr beaucoup de la météo. Les gens qui sont dans les régions de Québec pourraient se rendre en Beauce, par exemple, pour admirer l'éclipse avec une durée de totalité plus longue. Mais il faudra voir quelles sont les prédictions au niveau des nuages le matin du 8 avril pour peut-être décider de changer d'endroit où on avait prévu observer pour augmenter les chances de voir l'éclipse. Et est-ce qu'on peut photographier l'éclipse? Ça peut se photographier, mais évidemment, ça prend un équipement particulier. Ça prend entre autres un filtre solaire qui va cacher complètement l'objectif de l'appareil photo. Si vous prenez une photographie du soleil avec votre appareil photo pendant de longues secondes, vous risquez de griller votre appareil photo, donc c'est pas une bonne idée. Moi, je recommande aux gens qui voudraient faire des photos de s'informer auprès du club d'astronomes amateurs de leur localité. Il y a là des gens qui connaissent bien la technique d'astrophotographie qui pourront leur donner des conseils. Mais je vous dirais que si c'est la première fois que vous observez une éclipse totale de soleil, mon conseil, c'est vraiment de profiter du spectacle, de suivre la progression de l'éclipse avec des lunettes ou par projection, et puis de vraiment admirer et prendre en compte tout ce qui se passe autour de nous lors de la totalité.
Je vous rappelle, hein, il va faire très sombre comme au crépuscule. On va voir Jupiter et Vénus dans le ciel autour du Soleil. On va voir des étoiles dans le ciel aussi. La température va baisser de plusieurs degrés, presque une dizaine de degrés. Le vent va se lever. Il est possible que vous voyez des animaux autour de vous qui vont soit se diriger vers leur terrier ou au contraire devenir actifs parce qu'ils pensent que c'est le début de la nuit. Donc, il y a vraiment des changements environnementaux très spectaculaires qui vont se produire durant l'éclipse. Et puis, plutôt que de photographier puis d'être collé l'œil à l'appareil photo, ça vaut la peine de vraiment profiter du spectacle dans son entièreté. Pierre Chastenet, merci beaucoup. Je vous en prie, au À revoir. bientôt.